Bonjour à tous, bienvenue au sommaire de cette édition. Depuis un an, des familles roms occupent un terrain privé de Roissy-en-Brie. De plus en plus d'habitants se plaignent. Comme partout ailleurs, la mairie se retrouve face à un dossier qu'elle ne peut gérer seule. Les occupants de ce camp, eux, se questionnent sur leur avenir. Nous les avons rencontrés. Écho de campagne, les municipales se préparent. Nous ferons le point sur les derniers rebondissements. Enfin, comment faire venir du public dans une maison de retraite? Le manoir de Chelles a sa petite idée. Réponse à la fin de ce journal. Roissy-en-Brie, à quelques pas de l'autoroute A104. Un campement de Roms s'est installé ici depuis maintenant un an. Environ 70 personnes y vivraient aujourd'hui. De nombreux habitants ont interpellé la mairie concernant ce camp. Mais dans ce dossier, la municipalité n'a que très peu de marge de manœuvre. En effet, le terrain appartient à Nexity, un promoteur privé. Cette société a déjà engagé deux démarches en justice pour faire évacuer ce camp. Mais toutes deux ont échoué à cause d'un problème de cadastre. Face à ce casse-tête, Sylvie Fuchs, maire de Roissy, a décidé d'interpeller la préfecture début juillet. L'élu souhaite que l'État prenne enfin ses responsabilités. On parle quand même d'humains, de personnes. Et c'est vrai que là, donc, on arrive dans des jours qui vont être de moins en moins beaux. Il y a des enfants, il y a des familles. Et je pense que, mais ce n'est pas le problème que de Roissy. Je pense qu'il faut de vraies solutions au niveau national. Et je vous disais tout à l'heure, européenne, pour trouver une solution par rapport à ces Roms qui sont rejetés de plus en plus par d'autres communes et qui arrivent à chaque fois sur des terrains libres. Il faut trouver de vraies solutions. Sinon, on retrouvera le même problème l'année prochaine ou les années suivantes. Yves Douchin, membre du collectif Roms Europe, vient en aide aux familles installées sur ce camp. Selon lui, l'État délaisse complètement les communes face à ces populations. Il pointe aussi du doigt le laxisme de la politique migratoire européenne. Cette migration est une migration européenne. Les crédits de l'Europe sont disponibles, ils existent. Faut-il encore des porteurs de projets et surtout des procédures qui font qu'on n'attende pas 2 ans pour avoir 4 sous pour mettre en place un accueil correct. Les habitants du camp, eux, affirment être habitués aux évacuations et comprendre leurs motifs. En revanche, ils se plaignent d'être progressivement enfermés. Les accès pour les véhicules menant à leur baraquement ont été récemment condamnés par la mairie et par l'État. Nous, on n'a rien demandé de la mairie. S'il veut qu'on parte, il faut dire, il faut ramener un papier, quelque chose. Voilà, vous avez un mois, vous partez d'ici, on comprend. Ok, mais il ne faut pas qu'ils ferment les routes comme ça, qu'on fait quoi ? La ville de Roissy affirme avoir condamné ce chemin pour des raisons de sécurité. De son côté, le promoteur Nexity a engagé une 3e demande d'expulsion auprès du tribunal de Melun. Les municipales auront lieu dans 6 mois. Déjà d'ici de là, les équipes se forment, du moins officieusement. Ce jeudi, c'était au tour de la coalition de gauche à Lagny. Fait marquant pour les habitués de la politique locale, c'est bel et bien Antoine Parodi, l'ancien chef des Verts dans le département, qui rassemble autour de lui les socialistes Jean-Patrick Alain et Anifa Mokedem sous l'égide du Parti Socialiste. Ils viennent de fonder une association, J'aime Lagny, et comptent bien former leur liste pour les municipales. Si cela est confirmé, ils se retrouveront au moins face à une liste centre UMP et face à la liste de la maire sortante sans étiquette. Autre écho de campagne à Bussy-Saint-Georges, Hugues Rondeau et son parti du CNIP n'appartiennent plus à l'UDI, le parti centriste de Jean-Louis Borloo et d'Yves Jégot. Une scission souhaitée par l'UDI au niveau national qui traduit la mauvaise entente entre Yves Jégot et Hugues Rondeau. Le maire de Bussy-Saint-Georges garde donc pour étiquette unique celle du CNIP, le Centre National des Indépendants et des Paysans. Jour de grande affluence, jeudi au Relais des Sources, la structure d'accueil pour retraités de Roissy-en-Brie faisait porte ouverte. Chaque année, 100 de personnes viennent ici régulièrement. Informatique, jeux de société, travail sur la mémoire, tous les jours de la semaine, l'établissement propose à ses adhérents des ateliers. Une façon aussi de sortir de l'isolement. On fait un gros travail justement pour que les gens ne restent pas chez eux. Aussi le fait de pouvoir venir déjeuner, une alimentation équilibrée. Le contact, la sortie vers l'extérieur, tout ce qui peut les amener à se sentir bien et à vieillir gentiment. 80 personnes sont venues ce jeudi pour ne pas rater leurs inscriptions. Et parmi les ateliers les plus plébiscités, l'informatique et le tricot restent dans le trio de tête. C'est les poissons-chats ? Oui. Il est plus beau que poisson chat. Oui, voilà, ça c'est sûr. Dernier coup de pinceau avant la kermesse.
plutôt organisée dans les écoles. Aujourd'hui, les maisons de retraite s'y mettent, comme le manoir de Chelles qui organise sa fête samedi. Cet EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, accueille 85 personnes et compte 2 unités Alzheimer. Les résidents ont peint des sacs, des boîtes, des bonbonnières en vue de les vendre à la kermesse. Pour les derniers préparatifs, certains peignent, d'autres regardent simplement. Laoucine est l'un des plus actifs. À 55 ans, il est atteint de la maladie d'Alzheimer et réside au manoir depuis plusieurs années. La kermesse est surtout pour lui une ouverture sur le monde extérieur. Ce qu'apporte la kermesse, c'est la rencontre de personnes. C'est-à-dire que même la rencontre de personnes est d'idées. Donc vous avez une évolution ou une mise en cause de votre personnalité. La kermesse est l'occasion d'ouvrir la structure vers l'extérieur, l'occasion également de redorer l'image de la maison de retraite en général. Ici, on veut prouver que la fin de vie n'est pas forcément pathétique. On existe. Et puis l'EHPAD, on a beaucoup d'a priori sur les EHPAD. C'est des mouroirs, enfin, on présente ça comme des mouroirs. Et non, pas du tout. Il y a une vie à l'intérieur et ils sont encore capables de créer beaucoup de choses. Et ils nous épatent de tous les jours. Moi, je suis épatée tous les jours. La kermesse du manoir de Chelles est ouverte à tous samedi. Les fonds récoltés grâce à la buvette et aux articles vendus serviront à mettre en place la zoothérapie, la thérapie par l'animal. On termine ce journal avec un mot de sport. À Ponto, après un mois et demi de préparation, les jaunes et bleus retrouveront la compétition ce vendredi soir. Les handballeurs se déplaceront à Chartres pour la première journée de Pro D2, sans Adriano Marlin blessé. Le coup d'envoi sera donné à 20h. Objectif de la saison, finir dans les 5 premiers de la poule sur 13 clubs. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain.